Oui, je serai bref, j'abonde totalement dans le sens de ce qu'Evelyne a dit. La question de la base juridique a été abordée brièvement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais clairement la question mérite d'être posée. Simplement, un point en particulier appelle mon attention, il est dans les principes généraux, donc dans l'article 7 du projet initial, c'est celui qui dit que le droit applicable est le droit de l'État d'immatriculation. Alors on imagine assez facilement les contournements fiscaux et sociaux auxquels ça peut donner lieu. Et en particulier, on nous dit que ce texte vise les très petites entreprises, mais aucune disposition n'exclut, d'une manière ou d'une autre, l'utilisation de cette forme juridique par les grands groupes. Donc le risque d'entreprises boîte aux lettres s'agissant des plus grandes entreprises ou au contraire du recours à des faux indépendants est largement avéré et je pense qu'on se doit de constater qu'en la matière, ce texte réunit toutes les conditions pour organiser la mise en concurrence des législations nationales et non pas pour les harmoniser. Et c'est franchement regrettable. Si on veut vraiment faciliter la vie des très petites entreprises et améliorer l'activité transfrontalière, je proposerai de nous inspirer de ce qui a été fait pour la mise en œuvre de la directive services, qui dispose déjà que pour les entreprises dans le secteur des services, le droit applicable est le droit d'exercice de l'activité, et non pas le droit du pays d'origine, mais qui demande aux États membres de permettre l'accomplissement en ligne de toutes les formalités d'établissement ou de prestations temporaires sur le territoire. Et donc, étendons plutôt ces dispositions pour d'autres secteurs que ceux des services, plutôt que de créer les conditions d'un dumping social et fiscal. Merci, Président. Merci.